Il aura fallu attendre 40 jours pour voir le corps d'Egode Massingo être mis en terre. C'est ce mardi 4 avril que les obsèques de l'ancien latéral et capitaine du CS Don Bosco ont eu lieu. D'abord, la levée du corps à la morgue à Fia Don Bosco, puis direction la chapelle Regina Mundi du collège Imara pour la messe des Requiem. Il s'est aussi joint à la famille biologique des ministres disparus pour partager ses douleurs. Le couple Katumbi et Foster Tijik ont participé à cette messe officiée par l'abbé Kalaba. Dans son homélie, l'officiant du jour a centré ce message sur l'importance de servir Dieu et invité l'assemblée à poser toujours des bons actes sous forme de fruits. Cette comparaison veut nous faire comprendre que, à la manière d'un arbre, nous sommes plantés, nous sommes envoyés dans ce monde pour que Dieu trouve glorification dans notre vie. Et cette glorification, il la trouve dans les fruits que nous produisons. Difficile de retenir les larmes quand on sait qu'on ne verra plus jamais celui qu'on appelait affectueusement Capo. Des pleurs. Godé, sache que tu auras toujours ta place au sein de la famille. Parce que chacun de nous est unique et irremplaçable. Petit frère, de repos, va dans la paix et ton père qui est volé. Que la terre des ancêtres, tu sois aussi bien chère. Ici, le président du TP Mazembe honore la mémoire de son ancien joueur par ce gerbe de fleurs. Après la bénédiction de la dépouille, direction Rivière des Anges Kassongiri où reposera à jamais Godé Massingo. C'est héritier Indoula, directeur de communication du TP Mazembe, qui a prononcé les mots d'adieu pour le club. Tes coéquipiers ici présents, nous tes encadrés, la famille biologique, toute la grande famille TP Mazembe, tu nous as réunis ici comme un match de football. Ce match où tu amènes avec toi la défaite que tu détestais. Mais tu as gagné un match. C'est celui de la vie. C'est celui d'avoir donné des trophées au TP Mazembe. C'est celui d'avoir élevé très haut les drapeaux du TP Mazembe. Tout ce que nous pouvons te dire, nous, de ta grande famille sportive, merci. Après les dépôts des gerbes de fleurs, le corps d'Egode Massingo a été mis en terre dans la vallée de la bénédiction des Kassongiri. Ses anciens coéquipiers et dirigeants ne gardent que des bons souvenirs. Vraiment, ils ont moins pas si au cabana monteur à Zaki Malam Munayo. Cabana monteur, il y a une équipe pour coutiller. Un bibino bien, Koseka. Donc, Zaki vraiment a parti pour être qu'un noir, Kabola Bino, Kabola Bino Boy. Zaki Moutimor Malam, Godé Zaki Nabiso bien, Namoutin soit bien. Le matin, soit hier, à Solara Moutignon, soit on a coupé d'autres souvenirs, soit hier, Nathan, soit Mouninga, avec un grand coup de Mouninga Gatuzo. Mouna Gatuzo Nijé, on s'est bien capo. Vraiment, et salut ma passe, Koukabouana Moutaboué, vraiment. On voit ses amis à côté de nous, ceux qui ont grandi avec lui. Ça fait vraiment très, très mal au cœur. Et j'espère que Dieu va croire à nos prières pour accompagner sa famille, pour accompagner ces jeunes de Mazembe et tous ces petits qui sont à l'éco-foot, à la KFA Academy. Vraiment, les accompagner pour cette carrière que Godé a donnée comme exemple et comme modèle. Je pense qu'il a connu qu'une équipe, Don Bosco, dès son bas âge. Merci Godé Massingo. C'est en ces termes que l'on peut résumer tous les services de l'ancien latéral du TP Mazembe.